Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que, en fait, aujourd'hui, on va déballer ça. Vous dites, c'est bizarre, c'est un gros carton, mais je vais vous expliquer pourquoi, en fait, on va ouvrir ce carton. On va ouvrir ce carton parce que, tout simplement, chaque mois, il y aura un objet, donc ça s'appellera. Donc, le titre, comme vous pouvez le voir, c'est l'objet du mois, donc chaque mois, il y aura un objet du mois. Donc ça peut être gros, comme le disque carton, ça peut être petit, donc dans une autre boîte, enfin, vous allez voir par vos yeux. Bon, si vous voulez un peu plus de renseignements, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de vidéo, je vous expliquerai tous les détails. Et puis moi je vous dis, c'est parti! Are you listening? Donc, chaque mois, il y aura ce type de vidéo et j'espère qu'il va vous plaire. Bon, on va prendre notre petite paire de ciseaux et on va commencer par couper. Donc, là on en a fini pour les ciseaux, donc je les pose juste à côté. Et donc, on va ouvrir. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Attention, il y a une autre boîte. Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc je vais le mettre juste, hop, comme ça. Et on va ouvrir cette boîte. On a du carton, enfin des petites pattes, ou je sais pas quoi. Donc, je vais remettre ça dedans. Pour pas trop que ça soit le bordel. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et donc, on va ouvrir ça. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être petit. Hein. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est dans un petit truc rose. Hop. Donc, comme je vous dis, ça peut être vraiment petit. Donc, chaque mois, ça sera pas un objet aussi petit. Hein, mais là, c'est vraiment, 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 vraiment très petit. Et tout ça pour ça, vous allez vous dire. Mais je vais vous expliquer à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est. Donc, ce câble, ça s'appelle un câble OTG. Bon, désolé si vous voyez mal. Donc, je vais vous expliquer sa particularité. Donc, en fait, c'est que ça, c'est... donc, je sais pas si vous verrez. Faut que je fasse la mise au point. Attendez. Donc là, c'est une entrée micro USB. Donc, qui va au Samsung et autres marques, sauf Apple, bien sûr. Donc, et ça, enfin, de toute façon, oui, voilà. Et ça, c'est femelle USB. Donc, sa particularité, donc, c'est que... Donc, là, avec ma tablette, donc c'est une Samsung, mais on s'en fout. Donc, ça va s'adapter au port qui est ici. Donc, je vais venir mettre là. Hop. Donc là, ça met USB connecté. Je sais pas si vous avez vu, attends. Je vais essayer de vous le refaire. Donc, toc, USB déconnecté. Vous voyez, hein. Et toc, si je le remets, ça met USB connecté. Donc, parfait, c'est ce qu'on veut. Ensuite, donc, on va mettre quelque chose. Donc, j'ai pris deux types d'exemples. J'ai pris une souris USB et une clé USB. Donc, on va essayer avec la clé USB. Si on la met dedans, donc voilà. Ça va venir se connecter, hein, vous voyez bien que c'est rouge. Et donc, stockage USB, machin chose. Et donc là, ça va mettre tous mes trucs... Enfin, pardon, vous voyez pas. Ça va mettre, par exemple, dans exposé. Donc, j'avais un exposé à faire. Et donc, voici toutes les photos que j'avais mis sur ce dossier dans ma clé USB. Donc, c'était vraiment pour vous montrer qu'avec la clé USB, ça fonctionne. Vous pouvez revoir vos dossiers. Donc, par exemple, si je clique sur ça... Juste appuyer, tatatitata. Bon, là, c'est en mauvaise qualité, j'ai pas pris la bonne. Donc, imaginons qu'on prenne celle-ci. Elle va être en plus bonne qualité. Et on peut voir que, tant qu'elle est là, elle est sur notre tablette, alors qu'on a branché notre clé USB. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. C'est vraiment un point fort bah, de ce câble, qui coûte 83 centimes sur Amazon. C'est pour vous dire que c'est vraiment pas cher. Et donc... Voici ma clé. Et donc, après, on a ma souris. Donc, c'est une souris USB.
Donc voilà, qu'on a juste à hop, mettre. Donc elle s'allume. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis mon petit tapis. Donc là voilà. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai envie de vous filmer la souris avec. Mais par exemple, on voit la souris là sur ça. Donc je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez mon portable en tout cas qui est réglé avec je sais pas quoi. Donc vous voyez la petite souris. Voilà, et on peut tourner les pages. Avec la souris, tous les jeux ne sont pas compatibles. Donc par exemple, ça, ce n'est pas compatible. Splitterio, on va regarder. Alouex, tac. Par contre, ce qui est juste chiant, c'est qu'il faut cliquer partout. Parce que genre, ça fait pas comme à la souris. Mais sinon, ça fonctionne avec Scissor.io. Moi ça fonctionne, hein, sauf qu'en fait, genre, au dos ça fait comme ça et tout, donc c'est pour ça que en fait faut tout le temps cliquer, sinon ça fonctionne avec ce jeu. Mais vraiment cet objet il est fait pour. Oh là là, il s'appelle les gens. Il est fait pour. Comment dire, quand ça bug, c'est mort. Oh là là. Donc c'est vraiment fait pour lire ses dossiers avec sa tablette, tout simplement avec. On va juste peut-être se gagner à lui parce que je suis gentille. Mais non, mec. Mais. Comment tu fais pour rester comme ça? En fait, ce câble c'est vraiment pas pour jouer à la souris. Mais par exemple, si on va aller sur. Attendez. Si on va aller sur Google. Si on veut chercher, je sais pas moi, à YouTube, tiens. YouTube MP3, je pense que vous connaissez. Par exemple, voilà, on cherche, on double-clique. C'est vraiment comme sur l'ordinateur, ça cherche. Bon, voilà, pas besoin de vous montrer plus. Mais ça fonctionne sur Google. Et en tout cas, pour travailler, enfin, personnellement, si vous n'avez pas la possibilité tout simplement d'utiliser un ordinateur, et bah vous achetez tout simplement ce câble. Cette souris, je l'ai eu en cadeau. Hein, c'est pour vous dire que c'est bien de la... Pour glisser, on peut faire comme ça. Et pour faire retour, c'est clic droit. Je vais vite fait aller sur Amazon pour vous montrer en fait les câbles OTG. Donc vous marquez dans votre barre de recherche. Vous voyez absolument rien, c'est horrible, je pense. Câble OTG. Voilà. Aléa. Donc là, vous voyez, il y en a 5 euros de ta cru, 5 euros 86 centimes. Désolé, c'est un peu plus cher. Bon, je vous avais dit 88, je crois. Franchement, je sais plus. En tout cas, c'est celui-là. Donc voilà. On a un câble OTG pour 86 centimes. Donc voilà, la livraison entre le 11 et le 20, le 11 et le 27, vous voyez absolument rien, je m'excuse. En tout cas, voici le petit câble. Donc c'est exactement le même. C'est celui-là que j'ai exactement. Il y a le petit signe et tout. C'est exactement le même. C'est de la bonne qualité. Après, faut pas trop le laisser comme je le fais là. Parce qu'après, les câbles, ils vont se tourner. Après, ça va être chiant pour fonctionner. En tout cas, il est comme ça, normal. Moi, je m'en sers souvent. Parce que souvent, je regarde... Enfin, souvent, par exemple, mon exposé, là, j'ai fait sur mon ordinateur. Par exemple, je pouvais le faire sur ma tablette. Le mettre dans une clé USB et ensuite le remettre sur un ordinateur. Donc, pour faire retour, simple, efficace. Donc, voilà. Donc voilà, on peut voir que c'est super. Et puis voilà. En tout cas, moi j'ai envie de vous dire, vous le savez, buy the game. Et essayez de mettre vache dans les commentaires. Ça nous ferait grave plaisir à moi et à cette madame. Restez quelques secondes, je vous explique plus l'objet du mois. Ah oui, tu aimes bien cette couleur, la madame. Bon, je vais vraiment vous expliquer ce que c'est l'objet du mois, parce que vous savez pas trop. En fait, l'objet du mois, donc, c'est, comment vous dire, un objet, tous les mois. Donc, je vais vous présenter un objet, cher ou pas cher. Hein. Donc ça, par exemple, moi, j'estime que c'est pas cher, 86 centimes, je crois. C'est vraiment pas cher, pour rien que, enfin, pour votre smartphone, c'est vraiment pas cher. Après, le mois prochain, je pense que ça sera beaucoup plus cher. Ça sera vraiment cher. C'est pas pour vous inciter à acheter ça. Bah, par exemple, ça c'est un objet utile. Mais le mois prochain, ça sera peut-être pas un objet utile. C'est un objet que j'avais vraiment envie d'avoir. Et
Et que en moi, là, je suis tellement mais contente de l'avoir. Enfin, là, je l'ai commandé. Enfin, voilà, on ira le chercher bientôt. Du coup, là, c'est super. Je suis super contente. Et peut-être que j'ai un de. Des choses que je voulais faire, et bah, va se concrétiser grâce à cet objet. Donc, ça fait vraiment zirplay. J'avais juste envie de faire ça. Les objets du mois, vraiment, hein, je vais essayer d'en faire des abordables, mais ça sera pas tous les mois parce que peut-être à Noël, j'ai dit peut-être, hein, c'est pas sûr, mais peut-être que je vous ferai ma config gamer que j'aimerais bien voir parce que là j'ai un ordi tout pourri, on adore. Donc vraiment, j'essaierai, peut-être je vous ferai ma config gamer, mais peut-être je vous dirai pas le prix. Bon, là je vous dis le prix. C'est simple parce que je le sais, mais par exemple si j'achète, si je vois quelque chose qui me plaît, genre par exemple ça, bon même si ça me plaît pas, enfin voilà, c'est ce que j'ai sur ma lampe, et ben peut-être que ça fera un objet du mois. Bon, ça va pas le faire parce qu'au mois de décembre il y en aura plus, mais c'est pas grave. Ou par exemple si j'aime bien une boisson, comme attention, je vais chercher celle-ci, je l'adore, mais comme enfin après voilà. Mais l'objet du mois, donc ça peut être de la nourriture, etc. Donc ça peut être de tout. C'est ça qui est bien. J'ai eu cette idée comment, je ne sais plus. C'est. Ah oui. En fait, j'ai eu cette idée parce que au moins vous aurez une vidéo par mois. C'est déjà bien. Vous plaignez pas. Je n'ai pas encore tourné l'épisode de ma série. J'espère qu'il sortira la semaine prochaine. Bon, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur l'objet du mois. Ah oui, il peut être vraiment très gros, mais je pense pas que j'en commanderai un très gros, donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, c'est pas pour vous inciter à acheter, hein. Donc ça, par exemple, je vais pas vous inciter, je vais juste vous dire que c'est utile, etc. Bon, si vous en avez l'utilité, bien sûr. Mais pour moi, bah, c'est utile, etc. Après, pour d'autres, ça sera pas utile. Enfin, ça dépend. Et faites attention de ne pas le perdre, parce que moi... Je l'ai perdu, j'ai fait le rangement de ma chambre et j'ai retrouvé, tout simplement. Ça m'a pris du temps pour le retrouver et j'en avais besoin un moment, mais je l'avais plus du coup. Ouais, bah, c'était très chiant, mais bon. Bon, bah, ça fait plaisir, ça fait zirplay, on va dire. J'ai atteint les 32 abos. Donc, je vais aller juste voir ça. Comme vous pouvez le voir. J'ai 32 abonnés, ça fait très très plaisir. J'espère que comment le contenu de mes vidéos vous plaît toujours autant. Voilà. Et puis je vais essayer de refaire des tops. Donc soit top 10, soit top 5. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu de blabla à la fin. Mais c'était vraiment parce que j'avais envie de vous parler, d'ailleurs. Et puis je vous fais. Et aussi, n'hésitez vraiment pas à aller voir la chaîne de mes amis. Les amis, alors c'est vraiment les. Ceux que je connais. Bon, il y en a. Il y a quelqu'un que je connais pas. Voilà. Mais sa chaîne, c'est quelqu'un qui la connaît. Enfin, c'est voilà. Alors, cette chaîne n'est plus trop active, hein, mais vous pouvez quand même essayer de vous abonner. Celle-ci est active, il vient de sortir une vidéo. Celle-ci aussi, et celle-ci aussi. Donc vraiment, abonnez-vous vraiment aux 3, même aux 4, hein, vraiment, ça me ferait super plaisir, et ça leur ferait super plaisir. Hein. À bientôt! J'espère que Vraiment, la vidéo vous aura cette plu, chaîne, qu'il faut blabla, vraiment comme vous voulez. qu'il décolle. N'hésitez pas à Et liker, celle à aussi, commenter, à celle-ci partager, ça aussi, me ça ferait ferait vraiment, grave, 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 ça grave, me ferait grave, vraiment, grave, ça serait vraiment gentil pour eux, plaisir. Et sur et ce, je gentil vous pour dis à moi. bientôt pour une nouvelle J'ai vidéo. lâché une C'était petite Alouette, pub en fin de Bye vidéo. Game.